Salut les amis, c'est Bobber. Et là, y'a qui? Salut les amis, c'est Ticoco et Tinaka. Alors, je viens juste de finir le camp Kiff la paix, kiff la permaculture. Yeah, magnifique, super belle rencontre. Quelle chance quand même, j'ai vraiment une super chance. On partage un moment là dans la campagne, au délire, on joue, on s'amuse, on fait du torchis, on fait des cabanes, on mange très très bien, on cueille des laitiers et tomates, on les croque, on campe, on passe un beau moment avec ce ciel dedans. Ce que je vois de plus en plus pendant ces camps, en fait, c'est que ce que je vais te dire, ce que j'incarne, ce que je suis autour, bah ça décloche en toi des trucs, en fait, ça débloque des machins. Et le mot qui revient souvent, en fait, c'est une sorte de liberté, une sorte d'ouverture totale où les campeurs qui viennent, en fait, réalisent qu'on tient plein de choses comme ça, et puis d'un coup, bah juste, lâche, accepte, kiffe, c'est beau, vas-y, la vie, c'est ça. Bien sûr qu'on a des trucs dans la tête, des machins, mais on s'accroche. Donc, nous, humains, toi, hein, moi, je sais pas pourquoi, des fois, on s'accroche à des notions, on s'accroche à des faits du passé, genre, oui, mais il m'a énervé il y a 10 ans. Oui, mais c'était 10 ans, on s'en fout, vas-y, continue ta vie. Et il y a plein de trucs comme ça où on s'accroche. On s'accroche à des notions qu'on n'aime pas, à Monsanto. On va s'accrocher à Coca-Cola, on va s'accrocher à plein de choses. Je sais pas pourquoi, on veut les tenir comme ça, comme on voudrait tenir un chien en laisse. Et quand on lâche, quand on les laisse être, quand on autorise, on leur donne la permission d'être totalement, de dire juste, voilà, j'en ai marre de tout tenir, je tiens trop de choses, je vous lâche, et ben là, genre grosse liberté, gros lâchage de prise, gros lâchage de banane, c'est ça que j'appelle le lâchage de banane, c'est tu lâches. Le truc, donc ça c'est bien, on peut voir sur l'extérieur ce qu'on peut lâcher, et au fond de nous, et ben, on se tient dans des trucs, on s'empêche, on a envie de devenir, on se doit d'être comme ça parce que nos parents, parce que notre famille, parce que notre éducation fait que on doit être ça. Nu, 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 nu. Toi, tout ce que tu dois être, c'est toi-même, sois toi-même, kiffe, profite, c'est ta vie, fais-en ce que tu veux, t'as 80 ou 100 ans, ma vie, choisis, fais des belles choses, fais ce que là, ici, dans ton cœur, dans toute ton intuition, dans tout ton être, t'as envie de faire vraiment. Donc, comment faire ça? Tu ne pourras pas vraiment le faire totalement et exprimer ton toi plus grand et magnifique tant que tu tiens les autres. Parce que si tu tiens les autres, tu ne pourras pas être toi, tu vas être eux. Tu vas être comme eux, tu vas essayer de les emmener vers toi ou ils vont tirer vers toi. Donc la meilleure chose à faire, la première chose, c'est une impulsion naturelle. Lâche, laisse-les. Laisse-les eux, laisse toute cette notion, laisse toutes ces choses. Et maintenant, c'est toi tout seul, là, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Une fois que tu as lâché avec tes mains, ah, tu as les mains libres. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu vas vouloir prendre? Qu'est-ce que tu vas vouloir jouer? Qu'est-ce que tu vas vouloir faire de tes mains? Avec les mains libres, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la sculpture, on plante des plantes, on joue, on caresse, on joue, on peint, on fait que des belles choses, on fait des films, on dessine. Et c'est ça. Donc ce lâcher prise, c'est vraiment une expérience humaine qu'on peut tous faire. On tient plein de choses, même si tu me dis ouais, moi je tiens rien, et ben juste ta main, c'est que tu tiens quelque chose. Quand tu penses que tu tiens rien, c'est que tu tiens quelque chose. C'est que tu tiens cette illusion que tu tiens rien. Donc, c'est beaucoup de travail. Je peux le faire en vidéo, c'est du boulot. Par contre, le truc avec les vidéos, c'est que moi qui parle, en fait, et tu peux pas me proposer ton « Ah oui, mais moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. » Quand tu viens face à face et qu'on s'assoit ensemble, ben là, c'est vachement plus simple parce qu'il y a un aller-retour. C'est-à-dire que toi, tu vas me dire « Oui, mais mon père, parce que si, oui, mais parce que l'autre, oui, parce que mon patron, oui, parce que ma copine, parce que mon enfant, parce que mon chien, parce que… » Et ben justement, moi, avec le dialogue, on s'assoit, on papote et je te pose des questions. Je dis « Mais est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce ça ?» Et je t'accompagne, je t'aide juste à te dire « Lâche-les, lâche ça. » Et maintenant que tu as lâché, on est juste toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce que toi, tu vas vouloir faire de ta vie? Donc, c'est un petit peu ça que j'ai fait pendant ces camps, et c'est vraiment génial. Donc, le prochain, pour vous dire, c'est le dernier de l'année 2017, c'est le camp Lâche ta banane. Ta banane, on va la lâcher! C'est du 5 au 7 septembre. Ceux qui ont envie de venir, venez, parce qu'il nous reste quelques places. Si vous venez pas, c'est pas grave. L'année prochaine, on fera d'autres choses. Je vous encourage juste vraiment, vraiment, plus vous lâchez ces choses, plus vous vous sentez en liberté et plus vous pouvez commencer à construire une réalité qui vous ressemble. Plus vous allez commencer à faire des choses qui, oui, vous ressemblent et qui donnent l'impulsion à tout ça. Donc, toutes ces belles choses que vous souhaitez à la planète, le changement, le machin, le truc, la transition, la permaculture, eh ben, vous pouvez le faire que quand vous avez lâché certaines choses. C'est-à-dire qu'après, vous avez les mains libres, le temps libre, l'énergie libre, l'esprit libre pour créer tout ça, pour aller de l'avant et faire toutes ces belles choses. Donc, c'est un travail nécessaire que l'humain peut faire, il ne doit pas faire. Tu peux vivre toute ta vie en tenant tout le monde et tu vas tous les emmener au cimetière avec toi. Mais je t'encourage vraiment de découvrir cette liberté.
de faire ça et de lâcher petit à petit. Et tu l'as déjà fait au cours de ta vie. Tu as lâché la copine, tu étais sûr. Tu avais 8 ans, vous étiez fou amoureux, je serais triste jusqu'à la fin de mes jours. Et à 9 ans et demi, ça y est, ton deuil amoureux est fini et tu peux continuer ta vie. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur tout ça. J'espère vous voir, j'espère que ça vous stimule. Tu n'es pas obligé de venir à corps à corps pour lâcher des bananes. Tu peux le faire toi, ici et maintenant, juste là, même pendant cette vidéo. Plein de choses. Je vous souhaite, moi, totalement, fondamentalement, beaucoup de bonheur. Pourquoi ? Parce que je me le souhaite à moi-même. Donc, ce que je me souhaite à moi-même, je vous le souhaite à vous. Je vous souhaite, moi, peut-être pas d'être dans un terrain à la campagne, de jouer avec des cochons et des chiens, mais peut-être d'être surfeur à Hawaï, ou peut-être d'être grimpeur en haute montagne, ou je sais pas ce que vous voulez faire, tenir un bar, faire des saucisses, peu importe ce que vous voulez faire, je vous le souhaite avec tout amour. Et si ça me plaît, je serai votre client, je viendrai manger vos saucisses, je viendrai grimper avec vous l'escalade, je regarderai vos films, etc. Voilà, les amis. Bon, j'espère que ça vous fait titiller et l'esprit et le cœur, et que ça vous encourage à lâcher tout ça. Si tu dis, mais c'est pourquoi on lâche des bananes ? C'est bon les bananes ? Oui, non, les bananes, c'est bon. Le truc, c'est qu'il y a une vidéo qui s'appelle « Lâche ta banane », tu mets « Lâche ta banane » et tu mets « corps à corps », et je te raconte un petit peu une petite histoire, donc regarde sur YouTube, tu vas la voir, ou peut-être que j'arrive à la mettre sur l'écran, là, quelque part sur YouTube, il y a des façons, des trucs, donc voilà. Allez, vive la vie, je vous aime parce que je m'aime parce que je vous aime, merci à tous, vive la vie.